un canon à eau. Pour faire mouche, il doit tenir compte de la réfraction de la lumière entre l'air et l'eau. Il lui faut donc viser une proie qui n'est pas là où elle semble être. En plein dans le mille. Mais l'araignée tient bon. Le poisson archer a développé une particularité anatomique qui lui permet de cracher. En appuyant sa langue contre une rainure de son palais, il crée un petit tube par lequel il projette un jet d'eau dont il peut contrôler la pression et la longueur. Victoire. Mais la proie est gobée par un autre. Chez ces poissons, plus de la moitié des prises ne sont pas dévorées par le tireur lui-même. Autour de ces points d'eau,